À 2 semaines de la première représentation, la direction de Vindovera est stressée. Ils ont passé leur année à chercher des financements. Le budget pour cet été est de 100 000 euros. En 20 ans de carrière, Vindovera a du mal à faire surface. Après les pertes financières de 2007, de moins bonnes recettes, un matériel vandalisé et des subventions nettement réduites, le président de l'association ne se sent plus soutenu. C'est la crise. Voilà. Ou alors on a été trop aidé dans le temps, peut-être. Quand les élus viennent voir le spectacle, on dit c'est très bien. Mais je pense qu'on, quand on n'a pas été bénévole, on ne se rend pas compte du travail que c'est de faire un spectacle comme ça. Cette association comprend 180 bénévoles. Cette année encore, ils ne compteront pas leurs heures. Si de nouveaux partenaires financiers ne mettent pas la main à la poche, l'été 2009 pourrait bien être le dernier. Vous ne pouvez pas, à l'heure actuelle, être affirmatif en disant qu'en 2010, il y aura un spectacle. C'est pas possible. Vraiment, ce qui dynamise un peu, c'est que de tous les jours en ce moment, on reçoit des encouragements. Mais les encouragements, c'est une chose. Il faut que ça se transforme vraiment. Et des solutions pour maintenir Vindovera en vie, le président en trouve. À la place de faire un nouveau spectacle, il a demandé au metteur en scène de reprendre l'ancien en changeant le texte. C'est pas facile, évidemment, puisqu'au départ, il était prévu d'écrire un nouveau spectacle complètement. Avec des chansons nouvelles, avec des textes nouveaux, avec une mise en scène nouvelle. Donc on n'est pas allé dans ce... Enfin, l'association n'a pas choisi d'aller dans cette direction-là, puisque pour créer un spectacle, il faut des moyens, bien évidemment. Alors on a repris le spectacle de l'an dernier, ils m'ont demandé de le reprendre. J'ai remusclé le texte. On a remusclé aussi les artifices, de manière à ce que, même si quelqu'un qui aurait vu le spectacle il y a 2 ans, il va voir un nouveau spectacle. Qui est beaucoup plus vigoureux, je dirais. En 2008, 2500 spectateurs avaient répondu présents. À 15 euros la place, Vindovera résistera-t-il à la crise ? Réponse en juillet.